J'ai voulu participer à cette convention parce que c'était une chose qui m'était proposée, parce que je pense que je fais partie de 150 Français à avoir été sélectionnés pour pouvoir donner son point de vue sur la situation de fin de vie. Je trouve que c'est une chose extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai voulu donner mon point de vue. Quand j'étais appelée la première fois, je pensais que c'était encore un démarcheur téléphonique qui m'appelait. Mais la personne au téléphone a été très simple, très patient. Et après, je dis, bah, je vais écouter. Et quand elle a commencé à m'expliquer les faits sur la fin de vie, cette conférence à citoyenneté, là tout de suite, j'étais emballée. J'ai dit, bah, c'est super, ça m'intéresse, je veux bien y participer. Et voilà. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est la simplicité des gens et surtout des personnes du CESE, en fait, qui sont vraiment, on voit qu'ils sont vraiment là pour nous. On voit comment ils sont attentionnés et on voit qu'en fin de compte, on est mis à l'honneur en fait. Et ça fait du bien aussi en tant que citoyen qu'on puisse mettre mis à l'honneur et voilà. Que nos points de vue puissent être pris en compte, qu'on soit écouté, qu'on soit entendu surtout quoi. Que ça ne soit pas juste on vous a rassemblé mais ce que vous avez dit n'a pas été pris en compte. Ce que j'attends vraiment, c'est que chaque réflexion puisse vraiment être écrite et qu'après, il y a une suite derrière. Ouh, excitation, enthousiasme et beaucoup d'informations.